What's your name? Richie Nilsson. What are you into, Richard? I'm a lifestyle designer. Been down here since 2004. And I'm working with building celebrity events. Yesterday it was the Jackson family night. Don't tell me. So we have Mr. Jackson here. We had his former Michael Jackson's manager. He was the last manager Michael Jackson had the last 10 to 12 years. Bonjour, je suis Safia, donc je fais partie de Miss Africa United, qui est un événement opportun qui va sortir bientôt chez nous et chez vous aussi. Ce soir, nous allons avoir un défilé donc, de Faed, jeune créateur parisien, qui va nous faire un défilé de sa nouvelle collection. Faed Sanobert, j'organise mon défilé de mode avec le magazine Tendance Lifestyle. Donc Mata Hari, qui était une espionne de l'époque et donc qui m'a beaucoup inspiré pour cette collection-là. On va présenter 8 modèles, donc voilà, de la dernière collection. Comment vous appelez-vous ? Lindsay. Qu'est-ce qui se passe ce soir ? Vous êtes déguisée en espionne ? Oui, c'est exactement ça. Wow. Comment vous appelez-vous ? Christelle. Miss Africa United, c'est le concours de beauté international lancé par Tendance TV et son équipe. S'est rendu compte que ce n'est pas qu'une élection, c'est en même temps permettre à la jeune femme africaine de pouvoir s'exprimer et de sortir du joug de tous les préjugés qui accompagnent certaines cultures. Premièrement, j'ai rencontré un ami sculpteur qui s'appelle Jean-Baptiste Seclair. Et c'est une grande histoire puisqu'on se connaît depuis pas mal d'années. Et l'événement de Michael est intervenu et à la suite de ça, on a décidé de lui rendre un hommage. Et je pense qu'il a restitué dans la personne de Michael vraiment toute l'émotion. My name's Philippe. And what are you doing in life, Philippe? I'm working in the restaurant, Lange. Comment vous êtes-vous rencontrés, Faed et toi? En fait, on s'est rencontrés à l'anniversaire du joaillier Edouard Naoum, au VIP Room à Paris. Et il est venu me voir, et comme je l'ai trouvé mignon, bah, j'ai accepté. I design sunglasses only for the artist, for the star. I have worked with more people like Humberos, Kim Kardashian, Bow Wow, and other people in Paris. Nous avons organisé une soirée de pré-lancement Miss Africa United, donc avec un designer, avec des partenaires, donc Lange, qui est un restaurant africain, pour montrer la touche africaine de notre événement. Les Off de Cannes. Et en partenariat avec Miss Africa United. Miss Africa United, c'est un concours de jeunes femmes africaines
ayant des origines africaines un peu partout dans le monde, qui vont poster leurs vidéos et leurs photos pour pouvoir se présenter en tant que Miss, pour représenter l'Afrique dans le monde entier. Alors, la première partie, ce sera sur Internet, et ensuite un jury et le public vont sélectionner les jeunes filles. Ben, je les ai accompagnées tout au long de leur soirée. Nous sommes ici à la Villa Oxygène pour vous parler de ce petit film, ce petit court-métrage sur le mythe de Narcisse, une légende intemporelle puisque nous sommes aujourd'hui dans ce monde contemporain en train de revivre un petit peu les mêmes choses qui ont pu se passer déjà à une époque décadente, qui est inspirée du fameux livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste. Pour les hors de gamme, film 3D, le film Baby Lily. Dans la catégorie fiction, le Off de Cannes 2011, le film Cannibal. Dans la partie série et fiction, le film Homogène. Dans la partie musique, nous avons deux lauréats ce soir, le clip Wonder. Alors le prix graphisme et artistique est remis par Richard Milton. Richard Wilson, donc, qui est donc le propriétaire de cette magnifique demeure et également le parrain des Off de Cannes pour l'année 2011. Donc ce dernier prix Off de Cannes 2011 est remis à l'artiste Frank Katz. Félicitations ! On l'applaudit très 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 fort ! S'il vous plaît, applaudissements pour tous les lauréats gagnants. On a clôturé ce soir à la Villa Oxygène les Off de Cannes 2011.